Vous m'avez fait appeler ? Non, ça me dit rien. Ah, mais si, ça y est, il y a une heure, vous voulez dire. Ouais, effectivement, ça me revient. Maniez-vous ! Non, mais c'était le temps de trouver la clé pour... Bref, du coup, vous avez plus besoin de moi ? Vous, asseoir là, pas bouger d'ici. Sinon, grosse quiche, dans la tête. Et me voilà. Si vous saviez le mal que j'ai eu pour... Ah si ! Oui, oui, ça va. Je suis au garde à vous. Une plombe que je vous attends. D'autant que pour le chef des armées célestes, être au garde à vous, c'est ce qu'on pourrait appeler un gros minimum. Alors maintenant, vous, vous prenez ça. Et vous, voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et lui, on lui dit rien à lui ? Non. Lui, c'est normal. Je comprends pas. Donc ça change pas vraiment d'habitude, hein. Vous êtes pas dépaysé comme ça. Ah voilà, j'aurais pas mieux dit. Non mais vraiment, je comprends pas. Qu'est-ce que vous comprenez pas ? Eh ben je sais même plus, tiens, voilà. C'est intelligent. Je comprends pas pourquoi j'ai accepté de faire ça déjà. Oh mais ça c'est sûrement parce qu'on vous demande pas votre avis. Et pourriez pas vous arranger pour avoir un tas correct devant vous plutôt qu'un monticule de bordel, là ? Et on trie quoi, là, exactement ? Quoi ? Non, mais faut se rendre à l'évidence, hein, on s'en sortira pas. À peine 5 minutes qu'on est dessus, il y en a déjà 2 sur 4 qui sont en fraise. Ah, mais non, vous savez pas lire, vous, c'est vrai. Ah, si, quand même, c'est écrire que je sais pas faire. Et moi non plus. Vous savez lire, mais vous savez pas écrire. Vous êtes un archange dyslexique, ou bien... Quel est le rapport avec une race d'oiseaux migrateurs ? Bon, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'on doit se taper tout le boulot, là ? Eh ben, je me la pose aussi, figurez-vous. D'habitude, j'en reçois pas autant, une petite dizaine par jour, tout au plus. En fait, il y a des anges qui sont censés faire le tri et me faire passer les plus importantes. Enfin, dans la limite de quota définie en amont, hein, parce que ça va bien. Mais attendez, c'est des prières tout ça ? C'est pas vrai. Mais c'est pas censé être que pour vous les prières ? C'est pas censé être genre confidentiel et tout ? Oui, bah... Déjà moi, les prières... Bon, après, je peux comprendre qu'en bas, ça les réconforte. Ça, d'accord. Alors, du coup, j'en exauce 2-3 par-ci par-là, histoire de faire style, et puis c'est bon, quoi, hein. Non, mais attendez, si ça venait à savoir que c'est pas vous qui gérez les prières, c'est pas très réglo tout ça. Pourquoi ? Vous avez prévu de chantonner ça sur les marchés samedi prochain ? Je suis bien d'accord, avant que ça se remarque. Et puis d'habitude, je me les tape bien tout seul alors. Hein. Et on sait ce qu'ils ont merdé, vos anges trieurs de prières ? Bah, y a pas 36 possibilités. Ou bien ils ont toutes jugées importantes, mais là honnêtement, je crois pas. D'autant que je viens de tomber sur quelqu'un qui prie pour qu'il ne pleuve pas mardi, histoire de pas foutre en l'air sa rando avec un certain. Jean-Louis, il me semble. J'arrive pas à bien lire. Quoiqu'une randonnée sous la pluie, ben c'est pas de la tarte, j'aime autant vous le dire. Ou bien, c'est que vos anges, ils font grève. Il ferait beau voir qu'ils fassent grève, tiens. Remarquez, vu la charge de travail, si vous dites que c'est comme ça tous les jours, il y a de quoi tourner la carte. Eh ben c'est comme ça. Avec 7 milliards d'individus, je pense que je surprends personne si je vous dis qu'il fallait s'y attendre. Et oui, être un ange, ça veut pas uniquement dire se balader cul dans la forêt en cueillant des champignons. C'est aussi des responsabilités. Alors là... On est bloqué avec ça, mais je vous jure sur ma biographie que si je les retrouve en train de se dorer les miches, ces dernières risquent de virer au violet assez soudainement. En attendant, nous on galère avec nos papiers et je me demande bien pourquoi. C'est vrai qu'avec votre histoire de prière, vous vous êtes franchement pas facilité la vie. Hein. C'est pas mon idée, c'est venu un peu tout seul aussi. Oui, mais du coup vous, vous avez accepté de les recevoir, de les examiner, de les réaliser, et si, et ça... Regardez le temps que mon père se battra. Tout ça pour regarder qu'une dizaine au final. Franchement, ça vaut le coup. On peut souligner l'efficacité du tri, du grand art. C'est vrai que si on parle en termes d'efficacité, on n'est pas les meilleurs là. Faut avouer. Oh, puis faites comme vous voulez, tenez. Hein. Allez-y, juste pour la rigolade, montrez-moi comment vous êtes des pros du rangement là, tous. Eh bien, très bien, voilà. On réalise 50% des prières, c'est équitable. Moi je balance tout. Non, je l'avais retenu une, mais je sais plus où elle est. Bon bah alors, moi je prends celle-là. Hein. Et puis tiens, celle-ci. Ah, carrément au hasard. Non, écoutez, tout... Comment au hasard ? C'est pas au hasard. Non, en revanche, je les garde pour moi, ces deux-là. C'est quelque chose que j'ai jamais fait, mais... C'est vrai que ça peut être rigolo de réaliser l'inverse de ce que demandent les gens dans leur prière. C'est pas très sympa pour Jean-Louis, ça. La, 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 la,
la 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 la